Salut, c'est Missa. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle création, que d'une seule pièce cette fois, parce que je n'ai pas eu le temps de finir la maison. En fait, là, je suis en train de la finaliser, et il me manquait une chambre à faire. Et donc, en même temps que je faisais la création de la chambre que vous êtes en train de voir, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas au moins vous présenter cette pièce. Et la semaine prochaine, c'est bon, vous aurez bien la maison. C'est vrai qu'avec mes horaires de travail, c'est très compliqué pour moi de tourner des vidéos. Vous avez vu que cette semaine, il y a eu un peu moins de vidéos que d'habitude, puisque j'ai vraiment de plus en plus de mal. Mais là, c'est bon, je vais essayer de reprendre un rythme habituel, on va dire. Et donc, je vous présente une chambre d'ado. J'ai encore voulu vous créer une chambre avec quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et cette chambre, j'ai été très fortement inspirée par MCP68 lors du challenge numéro 7. Tu avais créé une chambre avec un lit en fait en hauteur. Et tu m'as fortement inspirée cette chambre, donc je te remercie. Et donc gros bisous à toi. Donc, pour faire cette chambre, vous prenez d'abord une table de salle à manger. Et cette table, j'ai voulu la séparer parce qu'il va avoir un côté bureau et un côté qui va être dessous le lit. Pour séparer donc cette table, vous prenez... Alors en fait, c'est des choses qui viennent des Sims 4 vivent ensemble. Et j'avais jamais... Enfin, sur à chaque fois que je voyais ça, je me disais, mais à quoi ça peut me servir dans une construction? Donc je cherchais. Et puis là, bah oui, ça y est, enfin j'ai trouvé l'utilité pour ça, pour créer une séparation. Justement, c'était parfait. Donc du côté bureau, vous mettez un PC. Donc vous mettez votre séparation et là c'est là où il va avoir votre lit juste au-dessus en fait, donc ça va vous servir de repère justement. Là, ce que vous êtes en train de voir, ça va être dessous le lit. Donc dessous le lit, je me suis dit on va mettre des vêtements et je vais aussi rajouter des étagères où on va mettre de la décoration. Dessous la table, je trouvais que ça faisait un peu vite, c'est pour ça que j'ai mis des mini bibliothèques ou des tables de nuit ou ça peut servir de plein de choses. Ça vient des Sims 4 cuisine, je crois que c'est le premier kit qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, il me semble bien que c'est le tout premier kit qui est sorti, parce que le tout premier pack c'était Destination Nature et après je crois qu'ils ont sorti en cuisine, si je ne me trompe pas. Et donc je les ai mis dessous la table pour toujours combler les trous. Bien évidemment, vu que le lit est en hauteur, il me faut une échelle pour que ça fasse plus réaliste, même si le Sim ne s'en sert pas. Ça donne toujours un côté un peu plus réaliste. Et pour ça, eh ben, je vais me servir donc des supports que j'ai mis pour séparer le côté bureau au lit. Et je vais prendre des étagères en fait, que je vais imaginer tout simplement, que c'est l'échelle pour monter sur le lit. Donc là, je suis partie pour un lit du jeu de base. J'hésitais entre celui-ci et le lit qui vient de Destination Nature. Vous savez, celui qui n'a pas de tête de lit en fait. J'hésitais entre les deux, puis je me suis dit non, lui en fait, il va très bien. Et il se marie très bien en plus avec les couleurs que j'avais choisies pour la chambre. Donc il est parfait. En plus, vous avez vu, je l'utilise beaucoup ce lit pour faire mes astuces. Parce que c'est un lit qui va très bien. J'ai voulu donc couper faire une séparation entre le côté bureau et le côté lit. Et j'ai voulu pour ça mettre des rideaux. Sauf que le mur derrière m'embêtait. Le jeu ne comprenait pas encore une fois, donc j'ai enlevé le mur derrière, j'ai mis mes rideaux pour faire ma séparation et après vous remettez votre mur. Vous rajoutez donc les décorations sur les étagères. Donc essayez d'abord de mettre le lit si vous voyez que c'est la bonne hauteur tout et tout. Là vous enlevez de nouveau votre lit, vous mettez toutes vos décorations et vous remettez le lit en dernier. J'ai testé, ça marche. Le Sims comprend, il n'y a aucun problème. Pour combler le reste de la chambre, je vais mettre une télé avec deux fauteuils. Je vais mettre une armoire qui vient des Sims 4 vivre ensemble. Et je vais créer une salle de bain avec douche et baignoire. Donc j'espère que cette chambre va vous plaire. Donc en gros, la maison que je vais vous faire voir samedi, vous connaissez déjà deux chambres. Vous connaissez celle-ci. Et c'est également dans cette maison où il y a la chambre des mignons, où j'avais fait, si vous ne l'avez pas vu cette chambre, j'avais fait une chambre inspirée des mignons de Moi Moche et Méchant. Et c'est dans cette maison que se trouve également cette chambre, donc vous connaissez déjà deux chambres. Donc je vous fais d'énormes bisous et à samedi pour la suite.